Je voulais vous présenter cet outil tout bête. Je ne sais pas si vous avez reconnu, ce sont les fameux mètres que l'on distribue à Ikea gratuitement. Bien sûr, il ne faut pas en prendre 10 d'un coup, c'est interdit. Mais quand on y va régulièrement, on peut vite faire une provision pour sa classe. Donc moi, j'en ai une petite dizaine dans ma classe que les élèves peuvent utiliser à loisir. De ce côté-là, c'est les nombres, ils vont de 0 jusqu'à 100, il me semble. Donc en fait, un élève qui est en difficulté sur la frise numérique, en fait, on peut très bien lui proposer une bande et il peut ainsi voir les nombres qui se suivent, plutôt que de regarder en haut du tableau où des fois ils ont du mal à faire la correspondance entre le plan vertical et le plan horizontal. On peut aussi travailler l'encadrement avec les mètres. 45, ben le nombre avant, le nombre après. C'est assez pratique pour ça. Et puis derrière, j'ai un peu customisé. J'ai rajouté un zéro pour en fait faire toutes les dizaines. Pour les encadrements à la dizaine, je trouve ça assez intéressant. Et j'ai mis les centaines en vert justement pour faire l'encadrement à la centaine. Donc en fait, ces rubans, si vous avez l'occasion d'en avoir, n'hésitez pas.